Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une vidéo à thème, dont le thème va être le budget. Alors j'ai nommé cette vidéo Challenge Budget parce que c'est un challenge que je tiens moi à me lancer. Et on va en parler, je vais vous expliquer déjà pourquoi, je vais vous expliquer comment et je vais un petit peu resituer ma situation pour les personnes qui regarderaient cette vidéo pour la première fois. Donc je vais déjà commencer par vous préciser une petite chose, c'est que j'avais déjà fait une vidéo sur le budget de Famille Nombreuse au début de ma chaîne. Cette vidéo, évidemment, elle n'est plus d'actualité puisque entre-temps, je me suis séparée et que donc mon budget a changé, que ma situation a changé, que beaucoup de choses ont changé. Et même le fait que je n'utilise plus le même tableau qu'à l'époque. Voilà. À l'époque, j'étais sur Excel. Aujourd'hui, comme je suis passée sur Mac, je travaille sur Numbers. Donc, je n'ai plus le même tableau. Je l'ai refait et je l'ai même amélioré. Et il me convient forcément mieux aujourd'hui. Maintenant, ce que j'utilise, c'est plus un tableau. C'est plus un tableau qui est en fait prévisionnel sur l'année. Donc j'ai une colonne par mois avec tout ce que je vais payer chaque mois en fait. Et ça me permet, par exemple, si je reçois une facture de régule en me disant cette somme sera prévue à telle date, dans la colonne qui convient à cette date, je mettrai cette facture qui va tomber pour prévoir cette dépense au moment voulu. Pareil pour l'arrivée de la taxe d'habitation, tout ça, c'est des choses qui arrivent à un certain moment dans l'année, la régule d'électricité, d'eau, etc. Tout ça, c'est des choses qui arrivent à des moments précis dans l'année et donc on peut les anticiper. Donc à ce moment-là, moi, je les inscris dans mon tableau et je sais qu'à tel moment, j'aurai telle dépense. Donc la première étape, elle va démarrer là début juillet. Donc je vais vous en parler, c'est pas encore vraiment fait, là je vais vous parler de ce que j'ai mis en place pour le moment. Début juillet, je vous en ferai une autre et ainsi de suite. Donc déjà, je vais resituer ma situation pour les personnes qui nous rejoignent. Il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, je suis maman solo avec 5 enfants à charge puisqu'Anaïs est récemment revenue, elle était partie prendre son indépendance mais elle est récemment revenue à la maison. Elle va repartir prochainement, mais on ne sait pas encore quand. Donc actuellement, elle est à ma charge. Et donc, je suis maman solo de 5 enfants. J'ai récemment retrouvé un emploi, mais au préalable, j'étais au RSA. C'était très compliqué parce que tout simplement, je n'avais pas travaillé depuis 10 ans. Donc, c'était très dur pour moi de retrouver un emploi. Depuis le fin avril, du coup, j'ai retrouvé un emploi. Et donc, aujourd'hui, je repars avec de nouvelles finances, avec un nouveau budget. Alors, je vais préciser aussi pour ces personnes qui ne me connaissent pas depuis longtemps que je parle en toute transparence. Je n'ai pas honte de ce que je vais dire parce que de toute façon, c'est la réalité des choses et il faut assumer les erreurs qu'on fait dans la vie. Au jour d'aujourd'hui, je suis interdit bancaire. J'ai encore 10 mois d'interdiction bancaire à attendre parce que lorsque j'étais en couple, nous avons fait un dossier de surendettement pour lequel nous avons obtenu un plan de rétablissement personnel, c'est-à-dire que la Banque de France a effacé nos dettes et ne nous a pas demandé de les rembourser. Mais du coup, la contrepartie, c'était que on avait en conséquence eu un fichage en Banque de France pendant 5 ans ferme. Voilà. Donc, depuis 5 ans, je ne vais pas vous cacher que c'est un petit peu galère au niveau des banques, hein, puisqu'on a des autorisations évidemment très restreintes, ce qui est logique. Maintenant, ça nous complique la vie, mais à la fois, on s'en plaint pas parce qu'on était bien content que la Banque de France nous aide au moment où on en a eu besoin. Donc, on assume les conséquences, c'est comme ça et c'est la vie. Donc, encore 10 mois de galère et ce sera terminé. Mais pour l'instant, on vit avec et on s'adapte. Donc, j'ai effectivement une carte bancaire avec des autorisations qui sont assez restreintes puisque je ne peux payer que 300 euros par semaine et je ne peux retirer que 300 euros par semaine. Donc, 300 euros au paiement, autant vous dire que c'est vraiment très compliqué parce que on est souvent amené à faire des paiements carte bleue. Moi, personnellement, par téléphone, notamment par rapport à des échéanciers que j'ai mis en place pour des factures que j'ai eu du mal à payer pendant la période où j'étais au RSA. Tout ça, c'est des choses que je règle par téléphone. Et donc, du coup, forcément, ça prend sur les autorisations de la carte et c'est assez compliqué. Moi, je fonctionne aussi beaucoup avec le paiement en 4 fois de ces discounts. Donc, faut savoir que le paiement en 4 fois, c'est juste avec la carte bancaire. Tout le monde y a droit.
même la carte Electron, puisque j'ai une carte Electron. Et moi, ça m'aide en fait à... En gros, je fais des gros achats et je les paye en 4 fois. Donc, c'est sur 4 mois, c'est inclus dans mon contrat, enfin dans mon contrat, dans mon tableau de compte. Et du coup, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de défaut de paiement, il n'y a pas de... Voilà, c'est prévu, c'est comme ça. Le budget, il prend ça en considération. Donc, moi, je fonctionne beaucoup comme ça parce que ça me permet de m'équiper. Parce que bon, je manque encore de beaucoup de choses dans ma maison. Donc voilà pour ma situation. Pourquoi j'ai décidé de mettre en place ce challenge? Tout simplement parce que le mois dernier, alors c'était pas mon premier mois de paye, mais c'était le premier mois où je n'avais plus les réparations de ma voiture à payer. Alors comme je l'ai dit juste avant, de janvier à avril, ça a été pour moi une période financièrement difficile. Parce que j'ai perdu mes droits de chômage au mois de décembre et donc au mois de janvier, je suis tombée au RSA. Et autant vous dire que le RSA me versait 145 euros. Donc, c'était vraiment insignifiant en fait. C'était comme si je ne vivais qu'avec les allocations familiales et mon allocation de logement. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué et la pension alimentaire bien sûr. Mais c'était vraiment pas... Enfin, vivre à 5 là-dessus, c'était vraiment très compliqué. Et donc, j'ai été obligée de faire des reports de factures, de paiement de factures. Alors, pour certains, des reports. Pour d'autres, j'ai mis en place des échéanciers. En l'occurrence, j'avais à ce moment-là les réparations de ma voiture que je ne pouvais pas reporter ni échelonner puisque elles étaient déjà échelonnées. Et je payais pour ça 400 euros par mois. Et j'ai donc arrêté de payer ces 400 euros au mois de mai. J'ai payé ma dernière facture au mois de mai. Et du coup, au mois de juin, je me suis dit, allez, c'est notre premier mois, on se fait un petit peu plaisir. Alors quand je dis on se fait plaisir, ça a été vraiment un petit peu. C'est-à-dire que même d'un point de vue alimentaire, j'ai fait un peu plus de plaisir aux enfants. J'ai acheté plus souvent des glaces, j'ai acheté plus de produits industriels que d'habitude je n'achète pas pour faire des économies, tout simplement parce que je n'avais pas les moyens. Il y a des choses que je n'achetais pas tout simplement par conviction, parce que je trouve que ce ne sont pas des bons produits. Maintenant, c'est vrai que là, c'était exceptionnel. C'était vraiment ce mois-ci où j'ai voulu leur faire plaisir. Maintenant, je leur ai précisé que je n'achèterais pas tout ça tous les mois. Donc, on a fait plus de courses. Je les ai rhabillées aussi, c'est-à-dire que j'ai commandé pour 220 euros de vêtements sur Vinted, mais du coup, on est rhabillé tous les 5 pour 220 euros, donc je trouve vraiment pas ça excessif. Donc voilà, on a fait des frais ce mois-ci, et le fait d'avoir fait tous ces frais, je me suis dit, mais en fait, ce budget nous permet clairement de vivre aisément, en fait. Donc, en partant de ce principe-là, je me suis dit que j'avais forcément les moyens d'épargner aisément. Et donc, j'ai décidé, en fait, de revoir un petit peu la façon dont je vais gérer mon budget à l'avenir. Donc, c'est vraiment cette nouvelle paye. Et puis, toutes ces dépenses que j'ai faites au mois de juin, où voilà, j'ai imprimé en fait mon relevé de banque. Et j'ai regardé un petit peu tout ce que j'avais dépensé. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était pas raisonnable. Enfin, c'était pas raisonnable. C'était qu'une fois, j'aurais pas dépensé tout ça tous les mois. Mais ça m'a fait prendre conscience, effectivement, que je ne dépenserais pas ça tous les mois. Donc, du coup, j'ai fait un petit peu le point sur ce qui était prélevé sur mon compte. J'ai fait le point sur mes charges fixes, en fait, concrètement, sur les échéanciers que j'avais mis en place. Donc, tout ça, ça me fait prendre conscience. J'ai noté tout ça sur un papier. J'ai noté les dates à laquelle les prélèvements tombaient, enfin, auxquelles, plutôt, les prélèvements tombaient. Et j'ai essayé de faire, je ne sais pas si je vais être claire, un dégressif, en fait, c'est-à-dire l'arrivée du salaire. Donc, j'ai mon salaire. Avec mon salaire, je vais payer ça, 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 ça. Ensuite, je vais avoir mes allocations familiales qui vont arriver. Du coup, ça va regonfler le compte. Et puis, j'aurai encore ça, 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 ça à payer. Et ainsi de suite. Pour voir un petit peu s'il y avait des périodes, des moments dans le mois où je pourrais éventuellement me retrouver à découvert. Ce que je me refuse, évidemment. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, je suis très contente. Mais du coup, je me dis qu'en revoyant vraiment bien notre budget alimentaire, on va pouvoir faire des économies et du coup faire de l'épargne, clairement. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place ce challenge. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, je me suis posée aujourd'hui, donc dans un premier temps, comme je vous le disais, j'ai fait le point sur toutes les dépenses qui étaient indispensables et celles qui ne l'étaient pas, donc par rapport au mois qui vient de passer.
J'ai refait du coup mon tableau de compte avec toutes mes dépenses actuelles, en fait, mes charges fixes dans lesquelles j'ai inclus mon abonnement Spotify, mon abonnement à Disney Plus pour les enfants. Donc tout ça, pour moi, c'est des charges fixes. C'est des choses que j'inclus dans mon budget. J'ai inclus également la voiture que je vais louer à partir de là, début juillet, j'aurai une autre voiture. Du coup, j'ai inclus cette mensualité aussi dans mes comptes à partir de juillet. Là, ce que j'ai voulu vraiment mettre en place aujourd'hui, c'est vraiment par rapport au budget alimentaire. C'est-à-dire que on a confectionné avec les enfants cet après-midi 5 menus hebdomadaires, c'est-à-dire 7 jours, 2 menus par jour. On a inclus des repas restes, évidemment, et puis voilà, des choses qu'on aime bien manger, donc qui vont revenir quand même assez régulièrement, mais de toute façon, c'est déjà ce qu'on mange habituellement. Ça revient toutes les semaines, hein, quasiment, de manger des haricots beurre, de manger des petits pois carottes, de manger du blanc de poulet, de manger des pizzas, de manger, voilà, c'est des steaks hachés, des knackis, du jambon, enfin c'est des choses qu'on mange régulièrement et donc ça va pas nous changer beaucoup. Donc là, on a fait d'avance 5 menus. Moi, de mon côté, je vais faire ça cette semaine. Je vais faire en fait les listes de courses sur le Claire Drive qui vont être liées à chacun des menus en fait. Donc il y aura la liste 1, la liste 1, semaine 1, une, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Donc évidemment, j'en ai fait 5 pour les mois où il y aura 5 semaines. Et donc, je vais en fait chaque semaine prévoir les courses pour le menu, mais prévoir aussi les petits déjeuners, les goûters, les desserts, mes produits ménagers, tout ce que j'utilise autour et essayer d'avoir toujours un petit peu de réserve parce que je me dis, on ne sait jamais. Le coup bête, hein, imaginons que la voiture de location, je l'abîme. Je vais devoir payer les réparations. Et je me dis, ça va être un gros billet à sortir de mon budget. Donc, on ne sait jamais. Si j'étais amenée à avoir un budget restreint à cause de ça, par exemple, je veux qu'on ait quand même nos réserves alimentaires de base pour tenir une ou deux semaines, si besoin, où on ne pourrait pas faire de course. Voilà. Donc, ça, c'est un incontournable. Hein. C'est toujours dans mon placard. On a systématiquement 2 semaines de réserve alimentaire. Et donc là, je vais du coup fonctionner comme ça. Je vais essayer d'avoir mes 5 listes préétablies dans le Drive. Comme ça, comme on peut les enregistrer, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement du Drive Leclerc, mais on a la possibilité d'enregistrer des listes de courses et de les basculer au panier le jour où on veut les utiliser. Donc ça, ce serait l'idéal pour moi. Comme ça, le jour où j'ai besoin de faire le menu de la semaine 2, par exemple, et ben je vais aller chercher la liste 2, je la bascule dans mon panier. Si il me manque des petites choses ou si, au contraire, il me reste des choses de la semaine d'avant, je vais retirer certains menus dans la semaine et donc retirer certains articles dans ma liste de courses. Et donc, ça va me permettre de faire des économies puisque du coup, j'achèterai moins de repas. Et ça va me permettre de rester dans les clous au niveau du nombre de repas à la semaine, de ne pas avoir de gâchis alimentaire derrière, puisque le but de faire des menus, c'est vraiment d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc voilà, c'est vraiment le principe que j'aimerais mettre en place, parce que je pense qu'en fonctionnant comme ça, je devrais réussir à faire pas mal d'économies. Voilà, donc je vous referai du coup une partie 2 de cette vidéo, la semaine prochaine pour vous dire un petit peu ce que ça a donné au niveau des listes de courses. D'un point de vue financier, du coup, je vous dirai à combien s'élève notre budget hebdomadaire alimentaire. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous en aimerez le contenu et que l'idée vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de repartir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'était pas encore fait. Et puis, moi, de mon côté, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao !